Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme tous les ans, enfin sauf l'année dernière, non, depuis 2 ans et demi, du coup 900 jours, pour les reconnaissances de Paris-Roubaix. Du coup, j'espère que vous allez bien, que la vidéo du coup sur les championnats du monde vous aura plu, à ce que je vois, elle vous a plu. Du coup, on va passer la journée ensemble. Malheureusement, je suis tout seul. Benoît a eu un contretemps, du coup on va se positionner un peu partout. Là je suis à Denain, il est 10h du matin et du coup on va attendre les équipes. Allez, à tout de suite. Avant, vous avez vu la Bora avec Peter Sagan, Nispoli, Danielos, etc. etc. Du coup, là il y a la Bahreïn et là-bas il y a le bus de la Trek. Du coup, voilà, on va continuer et après on va se retrouver à la sortie de la Trueda Robert.
Alors bonjour à tous, désolé, alors j'ai plus de batterie à la GoPro du coup, excusez-moi pour l'audio, je suis avec les AirPods du coup. Du coup je vous fais vite fait un point, je suis à la au carrefour de l'arbre. Mais du coup vous avez vu pas mal d'équipes, il y avait la Jumbo, la Cofidis avec le bus de la Cofidis, pas mal d'équipes. J'ai fait vraiment sans trop parler, là il y a le bus de la Wanty qui vient de partir. Du coup, là, je termine Carrefour de l'Arbre. Après, je vais aller voir dans 2-3 hôtels pas très loin. Parce que pour moi, il y a des équipes demain qui vont aller reconnaître la suite. Et du coup, bah, on se retrouve après pour la fin de la vidéo. Allez, à tout le monde. Alors du coup voilà, journée terminée, je suis rentré à la maison, on va se retrouver demain avec Benoît pour la deuxième partie des reconnaissances. Du coup on va la trouver et après on va aller directement à Mont-Saint-Pével pour aller quoi, voir les équipes qui vont repasser, des équipes qui vont passer ou pas. Du coup on se tient au courant, n'hésitez pas à aller voir notre Instagram et à nous follow et à laisser un petit commentaire. Allez, ciao tout le monde.